Vivez au cœur du handball français avec Lidl. Bonsoir à tous, bienvenue à Créteil, le palais des sports d'Aubert Houbron. Nous accueillons ce mercredi soir pour un match en retard de la troisième journée du championnat de Lidl Star League avec la rencontre entre Créteil et Chartres. Un petit derby avec la petite centaine de kilomètres qui sépare les deux villes de Créteil et de Chartres. C'est le match donc ce soir, le coup d'envoi sera donné dans quelques minutes à 20h tout pile. Juste avant, dans cet avant-match, on va jeter un œil au calendrier, au classement, les compositions également des deux équipes vont s'afficher sur votre écran. Et on rappelle que Créteil reste sur 12 défaites consécutives en championnat. Plus que jamais, lanterne rouge, on aura le classement dans un instant. Juste avant, voici le calendrier donc, de cette troisième journée qui se joue bien en retard, vous le constatez, avec les victoires à l'époque de Nantes face à Toulouse, notamment dans un choc. Aussi Montpellier qui s'est imposé de justesse à Nîmes pour le derby. Paris s'était largement imposé dans le Var à Saint-Raphaël. Et puis on avait noté également la victoire de Limoges à Chambéry. Le match donc Créteil-Chartres se joue enfin en ce 24 mars à 20h. Le classement de cette Lidl Star League avec les Parisiens évidemment en tête comme d'habitude, suivi de Montpellier qui a tout de même deux matchs en moins, Nantes est troisième, suivi de Aix, Limoges, Saint-Raphaël, Chambéry, Nîmes, Toulouse. Il faut retrouver Chartres à la dixième place parmi les équipes qui nous intéressent ce soir, donc dixième pour les Chartrains et pour les Cristoliens, je vous le disais, lanterne rouge avec seulement 4 petits points, ça veut dire 2 victoires seulement depuis le début de la saison. Ça devient compliqué même si c'est pas encore terminé, puisque Tremblay est juste devant, mais il faudra viser au moins cette 14e place, Ivry, voire Cesson-Rennes. On a en tout cas entre la 13e et la 6e place les 4 équipes qui devraient normalement batailler pour le maintien jusqu'au bout, même si jusqu'à Toulouse, c'est pas encore fait. Il y aura encore des points à chercher jusqu'à la fin de la saison de cette Lidl Star League 2020-2021 qui s'annonce assez passionnante. L'effectif cristolien pour ce soir avec Dylan Soyer, Emeric Anzuini, Geoffroy Carabas, Ewan Karvadek, Valentin Hamann, Johan Giblin, Robert Molinier, Guinel Pintor, William Benezit, Boyba Sissoko, Antoine Ferrandier, Loïc Diarasuba Calves, Michael Robin, Felipe Borges, Samuel Dean et Kylian Rigaud. L'effectif chartrain désormais va s'afficher devant vous. Avec Nebosia Kraovac, Vania Ilic, Denis Vassilev, Hugo Yund, Marc Canellas, Nikola Jokic, Kim Sonne Hansen, Sergei Kudinov, Fazia Furlan, Yannick Cham, Lucas Urban, Edgar Dens, Marc-Alexandre Sausset, Svetlin Dimitrov, Titouan Afanou Gatiné et Yvan Vérin. Tous ces joueurs composeront l'effectif du Séchartre ce soir à Créteil pour la rencontre avec le coup d'envoi dans 3 petites minutes. Je vous disais donc Créteil, la lanterne rouge de ce championnat, il reste sur une défaite face à Nantes mercredi dernier. Alors ils se sont bien défendus, mais au bout il y a quand même eu ce score de 27 à 25 en faveur des Nantais. Compliqué de toute façon quand on est aussi bas dans le classement d'aller espérer quelque chose face au H. Faut remonter au mois d'octobre pour retrouver une trace d'une victoire pour Créteil. C'était même 2 victoires consécutives face à Dunkerque et Nîmes. Et ce sont d'ailleurs les 2 seules victoires de la saison. De son côté, Chartres l'a remporté 2 fois en 2021, une fois face à Aix et puis face à Istres aussi lors de la dernière rencontre. Victoire 29-28 dimanche dernier. Avec pas mal de joueurs de cet effectif chartrain qui ont été assez performants, on en reviendra un petit peu tout à l'heure. Si on fait le bilan des deux clubs, Créteil est 16e, donc seulement 2 victoires, aucun nul, 13 défaites pour les Cristoliens qui ont la 12e attaque du championnat, mais une défense un petit peu plus hermétique, 9e défense de Lidl Star League si on prend le ratio nombre de matchs joués, buts encaissés. Et de son côté, Chartres a du mal en attaque comme en défense avec la 14e place à chaque fois, voilà, malgré un meilleur classement, donc ça ne veut rien dire puisqu'il pointe à la 10e place avec 6 victoires et 9 défaites au total. D'ailleurs, je salue les supporters qui viennent de nous rejoindre sur le chat YouTube, notamment sur Facebook également.
Salut aux supporters des deux clubs. Alors il y a déjà eu pas mal de pronostics qui sont arrivés en tout début de conversation. Voilà, donc Chartres vainqueur, Chartres par 4 buts, plus 3 pour Chartres. Mathéus, Chartres va gagner aujourd'hui. Créteil quand même, voilà, il y a quand même quelques supporters cristoliens qui se font entendre. Allez-y, hein, n'hésitez pas à mettre vos commentaires, vos pronostics. C'est un petit bilan entre les deux clubs avec peu de matchs en Lidl Star League, hein, seulement 4 entre ces deux équipes. Mais il tourne à l'avantage des Cristoliens avec 2 victoires, 1 nul et un match remporté par les Chartrains. Dernier match il y a un an, c'était Chartres-Créteil le 4 mars 2020. Score final 30-29 pour Créteil. C'est donc parti ici au Palais des Sports Robert Houbron. Créteil reçoit Chartres, match en retard de la 3e journée du championnat de Lidl Star League. Avec ce coup d'envoi donné par les Chartrains. La bonne défense là, les Cristoliens. Sur Nikola Jukic. Jukic, le revoici. Bien pris là encore par Pintor. Canelas. Jukic. La bonne défense. Et Créteil qui va procéder en contre-attaque. Est-ce que ce sera le match du réveil pour Créteil? C'est ce qu'on souhaite évidemment pour ce club, pour ses supporters. Pour Chartres évidemment, il s'agit de confirmer, de s'éloigner encore un petit peu de cette zone rouge. Et l'ouverture du score, allez, pour Créteil. Johan Giblin. Voilà, bonne entame de match là pour les Cristoliens. Avec le 47e but de la saison de Johan Giblin. Un des enfants du club. 21 ans, formé ici à Créteil. Allez, l'occasion pour Chartres d'égaliser avec Vania Ilic évidemment. Allez, Vania Ilic a réussi à tromper le gardien. C'est passé entre les jambes de Michael Robin. Et la belle parade. La bataille qui tourne en faveur des Chartres, hein, toujours à l'attaque. Hélas, on la passe un petit peu à l'aveugle pour le pivot qui n'est pas arrivé à destination. Ça offre une possession à Créteil et le shoot à côté. Ce shoot de Robin Molinier.
Encore Mickaël Robin là qui était très bon, très vigilant, mais les arbitres ont sifflé ce penalty avec le jet de 7 mètres à suivre. Ce sera évidemment pour Vanja Ilić. Deuxième duel, Ilić-Robin. Et c'est encore en faveur du Serbe qui met déjà son deuxième but ce soir. Lui qui était dans le set de la semaine de l'équipe après une énorme prestation la semaine dernière. 11 sur 11. 100% de réussite sur un match, c'est quand même assez exceptionnel. C'était face à Istres hein, donc le week-end dernier. Record de la saison égalé. Il avait déjà marqué 11 buts dans une rencontre face à Dunkerque, mais c'était 11 sur 13. À l'époque, pour le frère de Nemanja Ilić, le joueur de Toulouse, et Créteil. La bonne réaction des Cristoliens avec Karvalek. Ah, ça va vite hein, sur l'aile. Chartres qui reprend un petit avantage d'un but. Avec son ailier bulgare, Dimitrov. Il vient de prolonger son contrat d'ailleurs, hein, Svetlin Dimitrov, avec le C Chartres. Lui aussi, il sort d'un très très bon match comme Ilić avec un 8 sur 9 contre Istres le week-end dernier. La belle réaction cristolienne. Il a parti ce match, hein, 3 partout après 5 minutes 30 de jeu. On voit déjà de belles choses. Avec la réponse là de Robin Molinier. Et Chartres à nouveau qui reprend l'avantage. Ilić déjà intenable hein, ce soir avec ce troisième but. 3 sur 3. Et voilà, une nouvelle fois la réponse des Cristoliens. Ah, pas de place au doute hein, dans ce début de rencontre. Ça tente, ça marque. Deux gardiens pour l'instant qui ne sont pas au mieux, mais on va pas s'en plaindre pour l'attaque. C'est plutôt sympathique pour nous aussi, pour le spectacle, pour vous devant votre écran. Canelas là, qui a été touché. Faute, la possession toujours pour Chartres. La Kukic. Le bras levé. Et le but pour Chartres. Avec Vassilev. 40e but cette saison pour Denis Vassilev. De réussite hein, face aux cages adverses là, pour le Russe. 3 sur 3 la semaine dernière. Encore de bonnes statistiques hein, pour lui face à Istres. Pour l'instant, les Chartrains sont sur leur lancée hein, du match du week-end dernier. Attention là à la perte de balle des Cristoliens qui va profiter une nouvelle fois à Chartres qui prend 2 buts d'avance avec Ilić. Et derrière la bonne parade, récupérée. Non. Il
Sonny Hansen qui va relancer son équipe. Ça a été touché. C'est en corner, cette tentative des Chartrains. Il a été la chercher là cette faute, hein, Canelas. Le carton jaune. Yuan Giblin. Ah, il est passé dans la défense. Sergueï Kulinov. La sanction aussi, hein, la sortie. Ça complique un petit peu là déjà pour Créteil. Plus 3 pour Chartres. L'infériorité numérique aussi. Donc cette sortie de Johan Giblin. Un ballon déjà important après 10 minutes de jeu. La tentative gagnante pour Robin Molinier. Des Gardens là pour Chartres qui va jouer son 11e match de la saison. L'ancien Chambérien. Ah, la passe là pour Dens justement, le but vide. Ah, le poteau, pas de réussite pour le gardien chartrain. Ah, qui manque de pas grand chose là, le cadre. Pour le gardien cristolien, pardon. Ah, c'est joli ça, cette belle combinaison conclue sur l'aile. Une nouvelle fois avec le 8e but pour Dimitrov. Plus 3 pour Chartres après 12 minutes de jeu. Et l'interception. Avec ce duel qui a été remporté par Mickaël Robin. Mais la sanction avec cette faute. La sortie. Valentin Hamann là, qui va s'asseoir sur le banc. 2 minutes. Canelas a une belle occasion de plus 4 pour Chartres. Oh oui! Oh, Mickaël Robin, on n'aime pas quand on est gardien prendre ce genre de but.
Il a aussi prolongé son contrat à Marc Canellas, le demi-centre espagnol. Un an de plus à Chartres. Et il n'avait plus marqué depuis le 20 février contre Paris. Voilà, c'est chose faite ce soir. Alors, je ne sais pas si vous entendez avec moi, mais ça discute sévère hein, sur le banc. Je vous laisse profiter de l'ambiance. Là, c'est pas sur le banc, hein. C'est en tribune plutôt. On voit le banc de Chartres qui se retourne, qui se demande un petit peu ce qui se passe. Une histoire de masque apparemment, voilà, bon, petite histoire. Mais c'est aussi l'avantage, enfin l'avantage ou pas, quand on a des matchs à huis clos, c'est que bah, on entend tout ce qui se passe dans la salle. Même les petites embrouilles comme ça qui sont insignifiantes hein, au final, mais c'est marrant, voilà, c'est les aléas de ces rencontres-là qui se jouent sans public. Allez, calmez-vous messieurs, retour au jeu après 13 minutes 30. Molinier avec Gibelin. Et Molinier à côté, ça a été touché. Nouvelle tentative gagnante une nouvelle fois pour Robin Molinier, ancien de Besançon, de Saint-Raphaël, qui à nouveau emmène la contre-attaque des Cristoliens. Et à la conclusion, c'est Carvalec. Ah, et bien, une belle réaction là des Cristoliens qui reviennent à un but d'écart des Chartrains, avec ce but là du jeune Ewan Carvalec. 3 sur 8 face à Nantes hein, lors de la dernière rencontre des Cristoliens, fils du pivot des Bargeaux, Guéric Carvalec. Il a changé ce match-là, hein. Clairement, on voit Créteil un petit peu plus incisif sur ses attaques, plus dur sur l'homme également en défense, avec la parade de Michael Robin, mais intervention de l'arbitre. Possession toujours pour le C Chartres et Jukic. But une nouvelle fois sur Michael Robin. Et c'est sa première parade de la soirée. Première parade comptabilisée en tout cas dans les statistiques hein, pour Michael Robin. Ah, ça y est, ça s'est un petit peu calmé en tribune. Tant mieux. Effectivement, je voyais le message de Bastien. Ça s'embrouille sur le banc. Non, non, c'est pas sur le banc. Hein. C'était vraiment en tribune. Pour les quelques personnes présentes ici au Palais des Sports de Créteil. Sanctionner les Cristoliens sur cette offensive. Allez, 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 allez.
derrière, voici Chard dans le camp de Créteil avec peut-être cette tentative pour Jokic qui accélère. Grosse défense là sur Kudinov. Bien défendu de la part de Créteil qui s'offre le contre avec Sissoko qui n'a pas réussi à trouver son coéquipier et Chartres à nouveau dans le camp cristolien et la parade. Mickaël Robin l'a sorti rapidement. Ça s'est équilibré depuis quelques minutes. Serré cette rencontre, hein, puisque Créteil a même l'occasion d'égaliser, pourquoi pas, sur cette offensive. Et voilà, l'égalisation, elle est venue pour Créteil qui revient à 9 partout avec Carvalec. Alors, je vais répondre à quelques commentaires, puis après on terminera l'épisode embrouille dans les tribunes. Alors oui, c'était pas des embrouilles sur le banc, c'était bien dans les tribunes. En fait, il y a quelques personnes présentes qui font partie du club, hein, souvent, ou alors des jeunes voilà, du centre de formation qui sont dans les tribunes. Hein. Ce sont vraiment sur une petite dizaine de personnes, et voilà, l'embrouille, elle venait de là. Mais ça s'est visiblement terminé, tant mieux. On pourra se concentrer sur le jeu pour les prochaine minute à venir, alors que Chartres reprend l'avantage avec ce but et Créteil qui a procédé rapidement en contre avec Boyba Sissoko. Chartres en plus sanctionné avec 2 minutes. C'est Kudinov qui a été sanctionné pour Chartres, qui sort pour 2 minutes. La perte de balle pour Chartres. Les Cristoliens avec Sissoko. Le but était vide. Le ballon a été touché. Pas un Chartrain là. Il n'était pas encore de retour dans ses cages, hein, le gardien danois. Lui qui quittera d'ailleurs, hein, Chartres à la fin de la saison, il retournera au Danemark, à Ribe Esbjerg. Allez Sissoko, l'enfant de ce club de Créteil. Oh, face à Sol Hansen qui avait touché ce ballon. Et Créteil qui prend l'avantage. Encore 10 minutes à jouer dans cette mi-temps. Créteil qui mène d'un petit but. Attention à la réaction chartraine.
Elle ne viendra pas avec cette perte de balle. Sissoko. Non. Et voilà Créteil avec une occasion, pourquoi pas, de 2 plus 2 sur cette offensive. Molinier ! Alors encore une sanction. Oh, le carton rouge ! Le carton rouge ! Sorti contre Yannick Cham. On va voir ce qui s'est passé. Il donne pas un coup de coude avec son bras droit. On n'a pas bien vu, on verra si on a d'autres ralentis tout à l'heure. En tout cas, Nick Cham disqualifié pour cette rencontre. Sur une bonne phase là, les Chartrains dans cette rencontre. Psychologiquement, ce seront les Cristoliens qui dominent pour l'instant. Ils défendent à 4 hein, en plus. Les Chartrains. Molinier ! Ouais, il profite de cette supériorité numérique. Les Cristoliens avec Robin Molinier une nouvelle fois. Quatrième but déjà pour le numéro 10 de Créteil. Alors, est-ce qu'elle ira au bout cette attaque à 6 pour Chartres? Ils ont pris tout leur temps. Il va falloir le prendre ce shoot. Et il est arrivé. Chartres qui refait un petit peu son retard avec cette réalisation de Yvan Vérin. Oh, la parade du gardien danois qui s'est interposée là, importante hein, cette parade pour les Chartrains face à Johan Gibelin. Chartres pour l'égalisation. Sanctionné Boyba Sissoko.
Alors Vania Ilic, pour l'instant, c'est 4 sur 4 pour lui ce soir, 2 sur 2 au jet de 7 mètres. Le troisième pour lui peut-être. Lancer la transversale pour aider Dylan Soyer. Oh, c'est rare hein, de voir Ilic les manquer, celle-ci. Ben voilà, ben il fera pas 100% comme le week-end dernier contre Istres. Il peut toujours au moins égaler, voire battre son record de 11 buts. Pour l'instant, il en est à 4, je vous rappelle. Ilic, le Serbe de Chartres. Sonny Hansen, là, qui a bien allongé son pied pour empêcher Créteil de prendre 2 buts d'avance. Chartres, du coup, a une occasion d'égaliser à nouveau. Jukić, et une nouvelle fois sanctionné. Cette fois-ci, c'est Valentin Hamann. Alors, nouvelle chance là pour Ilic. Nouvelle tentative pour revenir à 12 partout. Et cette fois-ci, c'est bon. Il a réussi à tromper Dylan Soyer. Il n'en a pas manqué deux de suite. Hein. Encore 5 petites minutes à jouer avant la mi-temps, avant le retour au vestiaire entre ces deux équipes. C'est serré. Hein. On s'y attendait. On savait hein, que Créteil n'allait pas se laisser faire de toute façon, surtout à domicile, surtout après cette terrible série de défaites. Et puis après un bon match la semaine passée. Bonne défense là pour Chartres. Et la parade une nouvelle fois. Allez, est-ce que celle-ci sera la bonne pour les Cristoliens avec Sissoko qui va obtenir le jet de 7 mètres. Dans les cages de Graovac. ans pour le gardien bosnien qui a même prolongé son contrat de 2 ans et qui ne s'est pas imposé face à Kylian Rigaud. Alors, est-ce que la réponse sera immédiate pour Chartres, la perte de balle? Suffisait de dire ça pour que ça offre une contre-attaque à Créteil qui prend le but d'avance. Ouais, avec ce joli but là, cette belle contre-attaque conclue par Imrik Anzuini. On entend le banc de Créteil réclamer la même chose avec la même défense, la même interception pour repartir à nouveau en contre-attaque. Et non,
Cette fois-ci, Chartres est allé au bout avec ce shoot. Yvan Vérin. Ça va vite, ça va très vite dans cette rencontre. 15 à 13 en faveur de Créteil avec Antsvinin une nouvelle fois à la conclusion. C'était compliqué. Ah, il s'en sort quand même avec cette faute. Oh, Ilić qui réussit à tromper Michael Robin. Avec un temps mort dans cette rencontre. Et toujours Créteil devant d'un petit but. Malgré la réduction de l'écart de Ilić à l'instant pour Chartres. 15-14 dans cette rencontre serrée. Je vous le disais, hein, c'est loin d'être gagné d'avance pour Chartres. Et surtout face à Créteil qui joue crânement sa chance. En tout cas qui est bien ce soir, bien dans son match. Ils sont pas mal les Cristoliens. Ils peuvent réussir à s'imposer enfin, et ce serait pas forcément immérité après plusieurs bonnes performances qui n'ont pas forcément payé pour Créteil et pour Chartres. Va falloir quand même confirmer, essayer de monter un petit peu en puissance pour les Chartrains dans ce match en retard de la troisième journée de Lidl Star League. En tout cas, Créteil peut pour l'instant compter sur Carvalec et Molinier, tous les deux à 4 buts. Pour Chartres, c'est Ilić évidemment avec ses 6 buts qui est au top pour l'instant ce soir. Alors Créteil, pourquoi pas enfoncer le clou avec un plus 2 avant la mi-temps. Ah, ça a combiné bien et ça paye puisque les arbitres ont sifflé. Il y aura un nouveau duel. Entre le gardien danois et Boyba Sissoko. Il a réussi son premier Sissoko, il réussit le deuxième. Il a tiré très vite. Son quatrième but ce soir. Et donc l'avantage qui est pris par Créteil à la mi-temps. 16-14 alors que les deux gardiens se font envoyer la balle. C'est donc ici après 30 minutes de jeu. Créteil à domicile qui mène face à Chartres 16-14. On voit en tout cas de belles choses hein, ce soir. C'est une belle partie qui a commencé. N'hésitez pas d'ailleurs, hein, si vous êtes supporter d'une des deux équipes, à nous dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette première mi-temps. Évidemment, les Cristoliens voudront que ça continue sur cette lancée pour Chartres. Il faudra se réveiller, montrer d'autres choses hein, quand même en seconde mi-temps. Thank you.
Restez avec nous là dans quelques secondes. Interview en bord terrain. On aura un joueur avant son retour au vestiaire. Alors ce sera dans un instant, on me dit, ce sera juste après les pubs. On va se retrouver donc dans quelques minutes ici au Palais des Sports de Créteil pour suivre la deuxième mi-temps de cette rencontre entre les Cristoliens et les Chartrains. Donc restez avec nous dans quelques instants. Réaction avant le retour sur les terrains de ces deux équipes. À tout de suite. Au cœur du handball français avec Lidl.
Et avant le retour ici pour la deuxième période. Nous sommes avec Mickaël Robin. Quelle première période ? C'est ce que vous vouliez comme ingrédient, que ça charbonne et au final ça charbonne. Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a de l'engagement, on est dans le match clairement. Il y a des erreurs de deux côtés, mais en tout cas il y a de l'engagement et je pense que ça va être serré jusqu'au bout. On a vu des actions un petit peu rugueuses, mais en même temps c'est un match très important. Voilà, c'est une équipe qui joue physique et nous on voulait répondre présent et mettre même deux crans au-dessus parce que voilà, on a la maison et. J'espère que ça va être favorable pour nous. C'est quoi les ingrédients à mettre là pour Créteil, pour espérer l'emporter à la fin de ce match ? Pour le moment, on fait des erreurs individuelles, mais il n'y a pas vraiment de temps faible, donc il faut continuer à garder un gros rythme. Eux, ils ont eu un très bon rythme sur le début de match et ils ont eu un petit temps faible. Et nous, pour le moment, notre temps faible a été plus petit que le leur, donc je pense que c'est ça. Il va falloir maîtriser ce rythme pendant 30 minutes et vraiment minimiser les temps faibles. Et si on fait ça, on va gagner le match. Et c'est tout le mal qu'on vous souhaite. Merci, Mika. Voilà donc pour la réaction de Mickaël Robin, le gardien cristolien évidemment insatisfait pour l'instant de cette première période de ses coéquipiers, de ses performances également. Il répond présent, Mickaël Robin, avec trois parades hein, ce soir, mais il faut dire qu'il est pas si inquiété que ça, il y a quand même pas mal de shoots à côté de la part des Chartrains. Les statistiques, c'est vrai que Kim Sonnensen, le gardien danois de Chartres, est un petit peu plus présent avec 5 parades, 25% de réussite face aux tentatives adverses. Voilà, donc il donne ce score à la mi-temps de 16-14 en faveur de Créteil, ici au Palais des Sports Robert Houbron. Je vous rappelle que si vous venez d'arriver, c'est un match en retard de la troisième journée du championnat de Lidl Star League. Cette rencontre entre ces deux clubs qui se sont assez peu affrontés, hein, il faut le dire, en première division avec seulement 4 matchs entre les deux. Donc c'est historique qui est en faveur des Cristoliens et qui va peut-être le rester ce soir avec une victoire pour l'instant qui se dessine, mais rien n'est fait évidemment. On ne veut pas leur porter la poisse. Et puis bah, il faut que les supporters de Chartres gardent évidemment l'espoir. Alors du coup, vos pronostics pour cette deuxième période, est-ce que Chartres va revenir dans la rencontre ? Finir par s'imposer, est-ce que Créteil va maintenir son rythme de la soirée et enfin remporter une rencontre ? Je vous rappelle hein, ce qui n'est plus arrivé aux Cristoliens depuis le mois d'octobre dernier.
C'était deux victoires consécutives face à Dunkerque et face à Nîmes. Pas les petites équipes, hein, surtout les Nîmois. Et depuis, bah, c'est 12 défaites consécutives pour les Béliers, qui ont bien du mal dans ce championnat Lanterne Rouge. Une Lanterne Rouge qui se défend bien, en tout cas, ce soir. Ce match en retard. Le prochain match, hein, d'ailleurs, pour Créteil, ce sera à Istres. Ce sera le 27 mars. Donc ce samedi, 18h sur LNH TV. Ce sera important aussi, hein, ce match pour Créteil. En Provence, du côté d'Istres. Et pour Chartres, et ben, ce sera aussi un déplacement à Istres. Mais ce sera bah, 3 jours plus tard, le 30 mars. Donc mardi prochain. Avec un match en retard de la 7e journée de Lidl Star League, dont Istres-Chartres, que vous suivrez ici gratuitement sur la chaîne YouTube LNH TV. Abonnez-vous d'ailleurs si ce n'est pas encore fait, hein, pour suivre 5 rencontres sur 8 par journée de championnat gratuitement ici sur LNH TV, puis également en codiffusion sur les pages Facebook des clubs. Allez, on y croit ce soir. On va reprendre dans quelques secondes ici. Une belle chose durant cette année 2021 sans être tout à fait récompensé au classement. Allez, bon, alors justement, je voulais parler un petit peu du classement. En cas de victoire, Créteil ne serait plus Lanterne Rouge, ce serait Tremblay du coup qui récupérerait cette dernière place. Créteil aurait un point de plus que les Tremblaisiens, un point de retard par rapport à Ivry et deux points en moins par rapport aux Bretons, c'est son Rennes. Donc il y a une belle opération à faire en tout cas ce soir pour les Cristoliens. Et pour Chartres, en cas de victoire, c'est la 9e place qui leur tend les bras. Ils passeraient devant le Phoenix. Avec 14 points, Chartres serait plutôt à l'abri pour la fin de la saison, en tout cas concernant la relégation. Même si évidemment, il faudra rester très très vigilant. Le retour des deux équipes ici sur le terrain. C'est reparti ici à Créteil, au Palais des Sports Robert Houbron pour la deuxième période de ce match entre Créteil et Chartres avec les Cristoliens qui donnent le coup d'envoi de ces 30 dernières minutes. Est-ce qu'ils vont d'entrée aggraver la marque ou est-ce que Chartres va réagir directement? On va le savoir dans quelques secondes. Ça combine bien pour arriver jusqu'à Molinier. Et voilà, Créteil bien lancé dans cette deuxième période. Défense là pour Rigaud.
dans la foulée, Chartres réussit à marquer ce but avec Lucas Urban. Événement avec ce but de du Slovaque qui n'avait marqué que deux fois depuis le début de la saison. C'est donc son troisième but ce soir pour Lucas Urban. La parade pour la récupération pour Créteil avec Sissoko. Oh, il vaut s'en vouloir les Chartrains là, puisque le gardien danois avait réalisé ce qu'il fallait, mais derrière sa défense n'a pas forcément suivi. Et ce sont les Cristoliens qui en profitent avec Sissoko, l'inévitable, toujours présent. Dylan Soyer là qui a pris le ballon en pleine tête. Semble ça rebondit hein, dans le visage. Mais c'est involontaire de la part de la Fanou Gatiné. On a entendu le banc réclamer le rouge. Mais il y a eu ce rebond jusqu'au visage du portier cristolien. Ça va aller pour Dylan Soyer avec ce petit coton dans le nez. Empêcher tout saignement et il va relancer son équipe. Carvalet qui a été déstabilisé, la possession toujours pour les Cristoliens. Robin Molinier qui a pris un coup. Alors qu'est-ce qui s'est passé? On va revoir ça. Visiblement, il retombe hein, sur le genou du Chartrain. Il n'y a rien de volontaire. Ah non, il y a bien une sanction qui est arrivée. On entend le banc de Chartres qui dit que c'est pas Urban. Bon alors, qu'est-ce qui se passe? Je suis un petit peu comme vous, je suis perdu là. On n'a pas toutes les informations qui nous arrivent. Donc on est d'accord, il y a eu Lucas Urban qui a pris un carton rouge. Alors justifié ou pas, je ne sais pas puisque on n'a pas forcément pu revoir cette action. Mais l'arbitre avait désigné le coude. En tout cas, apparemment, il y a une faute. Enfin, écoutez, tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a le rouge pour Urban.
Ça ne semble pas trop discuté hein, sur le terrain. Et ça profite à Créteil. Plus 4 pour les Cristoliens. Avec ce nouveau but d'Anzuini. L'Alsacien formé ici à Créteil. Les affaires se compliquent hein, sérieusement pour Chartres. Qui évolue en infériorité numérique. Et qui a un ballon important. Il faut aller au bout de cette action. Il obtient la faute là, Yvan Vérin. Grosse défense là de Karvadec. Une nouvelle fois sur Vérin. Ouais, c'est reparti avec le bras levé. Oh, la tentative de Kung Fu. Trop compliqué là pour trouver Vania Ilic. Allez, super de Cristolien. Qui tient pour le moment. Et qui met 19 à 15. Le ballon toujours entre les mains du joueur. Regardez là ce ballon de plus 5 pour Créteil. Qui ne manque pas. Cette occasion en or avec Valentin Hamann. On est sur un 4-1 depuis le retour des vestiaires en faveur de Créteil. Et puis là, ce ballon perdu par Chartres. Qui finalement garde la possession. Trop compliqué. Et voilà, Chartres sanctionné et Créteil avec... La possession qui leur revient dans les mains, plus 6, pourquoi pas, pour les Cristoliens. Molinier avec Sissoko, Karvadec. Et le but pour Créteil, plus 6. Pour tromper Graovac. Kudinov. Encore une fois, une attaque qui n'ira pas au bout pour Chartres. Oh, c'est compliqué cette deuxième période. Un petit peu un match galère là, entre les décisions arbitrales, qui ne sont pas forcément justifiées non plus, hein, mais ça change un match. Ça peut vous mettre la tête dans le seau et compliqué d'en ressortir. Il va falloir être fort mentalement là pour Chartres pour espérer revenir et déstabiliser ces Cristoliens qui sont bien dans cette rencontre. La preuve une nouvelle fois avec Créteil qui prend 7 buts d'avance et Kylian Rigaud. C'est compliqué, très chaud. Alors, est-ce que vous y croyez encore, les supporters chartrains? C'est le moment de nous le dire.
qu'est-ce qu'il va falloir changer dans cette équipe de Chartres pour revenir dans cette rencontre. N'hésitez pas à nous écrire vos commentaires. Et pour les Cristoliens, est-ce que pour vous, pour l'instant, c'est la soirée parfaite? Vous n'allez certainement pas me dire le contraire. En tout cas, c'est une équipe qui fait plaisir à voir jouer ce soir à domicile. Créteil va peut-être enfin terminer cette très très mauvaise série de défaites. Allez, Chartres avec un ballon pour un petit peu d'espoir. Canelas. Qui va prendre sa chance. Canelas. Pour tromper Dylan Soyer. Carvalec. La grosse défense là de Hugo Yund. Il est sanctionné pour ce pied. Canelas. Volontairement mis en travers de la passe. Karvalec face à Graovac et le duel remporté par le gardien bosnien. Et Chartres en contre-attaque qui pique, qui revient à moins 5 avec ce but. Réalisation de Dimitrov. Petit retour là qui est en train de s'amorcer pour les Chartrains. Pour ne pas douter, Sissoko pour Créteil. Et à nouveau Graovac qui s'interpose. L'expérience qui était en train de parler. Il fait du bien à son équipe. Et là, il va avoir un nouveau duel Graovac. Cette fois-ci, il ne peut rien faire sur cette tentative de Carvalec. La Chartres qui avait une bonne occasion là juste avant ce but de Carvalec de revenir dans cette rencontre. Ça fait mal, mais ils ne disent pas leur dernier mot, les Chartrains. La bonne défense pour Créteil, Sissoko avec la balle. La jolie passe pour trouver au pivot Valentin Hamann. Avec la belle passe là de Robin Molinier pour trouver ce pivot. Deuxième but hein, ce soir pour Valentin Hamann.
Sans problème là pour Dylan Soyer. Et toujours ce score de plus 7 en faveur des Cristoliens. Qui gère un petit peu cette rencontre avec un bel avantage là. Qui va être compliqué à reprendre pour Chartres. Mais il y a encore de l'espoir en tout cas pour les Chartrains. Oh, la belle parade là de Graovac. Avec cette main bien détendue pour relancer avec Ilic. Avec l'aide de la transversale. Le but de Vania Ilic. Leonardo sur YouTube qui nous demande si Felipe Borges joue. Non, pour l'instant on ne l'a pas vu. Hein. Le Brésilien. On ne le voit plus depuis le 19 février sur les terrains de Lidl Star League. Oh là, la passe à l'aveugle pour retrouver Valentin Hamann qui n'est pas arrivé à destination. Ilic qui peut relancer son équipe avec sur l'aile. La conclusion. Chartres de retour avec Dimitrov. Il s'offre un quatrième but ce soir pour fêter sa prolongation de contrat. L'ailier bulgare. Man, le revoici avec cette nouvelle chance face à Graovac. Nouveau duel gagné par le pivot. Et la belle passe. Ouais, c'est bien joué là avec cette belle combinaison qui fonctionne jusqu'à Kudinov. Passe décisive là d'Yvan Vérin. Sissoko avec Molinier et Graovac sans problème, bien placé. Une belle occasion là pour Chartres de refaire son retard, moins 4 pourquoi pas. Ça peut nous offrir une grosse fin de match. On passe là pour trouver... Ilic et finalement Canelas avec Yund. À côté. Elle valait cher là cette action pour les Chartrains. Pas réussi à ajuster la cage. Hamann,
compliqué aussi de tenter ça face à Graovac. Ça va vite avec une nouvelle chance qui bute face à Dylan Soyer. Toujours bas de but hein, ce soir pour le jeune Hugo Yund. Canelas. Et cette faute subie par Kuzinov. Levé. Ce sera pour Canela, c'est la passe de trop. Ah, ça c'est du gâchis hein, pour Chartres clairement. Qui offre à Créteil une occasion de reprendre 6 buts d'avance. Sacré choc, la sacré duel entre Molinier et Illich. Là où il faut pas, visiblement, pour Illich. Alors, il semble que c'est avec le genou de Molinier qu'il prend ce coup. De répit là pour Illich qui va reprendre sa place. Il va avoir le temps de se rétablir un petit peu avec ces 2 minutes. Pour l'ailier serbe. Et le but important, Antoine Ferrandier. Et c'est son premier but de l'année 2021 pour Antoine Ferrandier. Avec Créteil, sa 7e saison parmi l'élite. Et les autres saisons, c'était en Pro League. 30e but de la saison. Et il n'avait joué que 2 matchs hein, depuis le début de l'année, là, Antoine Ferrandier. Et on vient de le voir. Et en plus, avec cette réalisation. Oh, superbe là, ce shoot. Yvan Vérin. Sissoko face à Graovac et Sissoko remporte une nouvelle fois son duel. 6e but.
Il a déjà fait mieux que son dernier match face à Nantes. Il avait marqué 5 fois. 86% de réussite ce soir pour Boy Bassissoko. Comme d'habitude, les statistiques au top pour ce joueur formé ici. La parade de Dylan Soyer. Ça marque Alexandre Sausset. Aurélien là, dans les commentaires sur YouTube qui nous parle de Sissoko, plus intéressant à l'aile. Effectivement, on le voit à l'aile ce soir. À la base, il était formé comme demi-centre. Mais il est polyvalent et en tout cas, sur l'aile gauche, il est performant. Alors que Créteil reprend 7 buts d'avance avec Anzuini. Et attention, Sissoko, on en parlait! Oh, le but qui fait très mal! Plus 8 pour les Cristoliens. Avec l'homme de la soirée pour l'instant. Sissoko, 29-21. Il reste un petit peu moins de 9 minutes à jouer. Ça va être compliqué, ça va être compliqué pour Chartres. La victoire qui se dessine là hein, pour Créteil. Encore un tout petit peu d'espoir, mais vraiment difficile d'y croire pour cette équipe chartraine et surtout face à des Cristoliens qui font un vrai bon match collectivement, individuellement également, avec de bonnes performances des gardiens à l'image de Dylan Soyer qui fait une bonne deuxième mi-temps avec sa cinquième parade à l'instant et puis un Sissoko de gala qui marque son septième but. Bon, Anzuini qui vient enfoncer le clou et marquer le 30e but de la soirée pour Créteil. Attention, la réponse pour Chartres. Pas de réussite, la transversale. Et plus 10, peut-être, pour Créteil. Attention, avec cette action. Peut-être la balle de match là pour les Cristoliens. Et ce sera pour Gibelin qui va trouver la transversale de Graovac. Derrière la bonne défense là pour Antoine Ferrandier. Canelas. Avec ce but pour Kudinov. Reste un petit peu plus de 6 minutes à jouer. Pourquoi pas plus 9 à suivre.
Ça sent bon pour les hommes de Pierre Montorier. Oh, le kung-fu qui n'est pas conclu malheureusement pour Créteil. Et la contre-attaque pour Chartres qui va même bénéficier de la sortie de Valentin Mann. 2 minutes sanctionnées, le pivot cristolien. Ah, Giblin là, qui a buté sur Graovac sur cette tentative de kung-fu. Alors Christelle, dans les commentaires YouTube, si on perd ce match, j'arrête l'heure. Donc je suppose que Christelle est supportrice de Créteil. Bah, on va pas espérer pour toi. L'Anix aussi, Tim, est-ce que vous pouvez faire une dédicace pour mon fils malade, Gauthier Bonissol, qui est atteint d'un cancer, il adore le hand, si ça vous dérange pas, ben non, au contraire. Évidemment, avec tout notre soutien pour Gauthier. Salut à toi. Plus que 5 petites minutes avec ce temps mort. Les Cristoliens là, qui demandent ce temps mort pour, allez, on va dire, tranquillement gérer cette fin de partie. Est-ce que du côté de Chartres, on va essayer de limiter la casse? Quelle solution quand vous êtes mené de 8 buts, vous n'en avez pas beaucoup? Ça va être compliqué d'aller les chercher, ces Cristoliens qui sont sur le chemin là pour arrêter cette série de défaites. Incroyable quand même, 12 défaites consécutives. Cristolien emmené par cet homme, leur capitaine Boyba Sissoko. Échauffourée là entre Ferrandier et Vérin. Ah, il faut pas lâcher son match là. Faut rester concentré, ne pas perdre ses nerfs, ça sert à rien. De toute façon, le match est quasiment plié. On sent un petit peu de nervosité. Il est sanctionné là d'ailleurs. Yvan Vérin. Ah, et peut-être le 31e but pour Créteil. Pour continuer cette belle soirée pour les Cristoliens.
Oui, alors je vois aussi le commentaire que je n'ai plus sous les yeux, évidemment, c'est parti. Oui, par rapport à Pierre Montorier, le coach cristolien, qui s'est éloigné des terrains hein, depuis le début d'année pour raisons médicales. Il est remplacé évidemment par un trio de son staff avec Christophe Espar, Franck Chupin et Dragan Pochuka. On espère le revoir au plus vite, hein, Pierre Montorier. Sur le banc de Créteil. Canelas avec cette passe interceptée. Possession toujours pour Chartres. Il est sanctionné là pour cette faute. Allez, un petit but là pour Vanja Ilić. Histoire de soigner ses statistiques malgré la défaite avec son 9e but de la soirée. Grosse défense des Chartrains. Sur Meunier. Et puis un nouveau temps mort à un petit peu moins de 2 minutes de la fin de la rencontre. Avec ce score sans appel pour l'instant, 31-24. On se dirige vers une belle victoire des Cristoliens. Restez avec nous. On aura évidemment le score final. Puis surtout, on aura les réactions d'après-match. Avec les deux côtés, on espère une réaction. Pleine de joie certainement pour Créteil qui va enfin s'imposer. Et la déception dans les visages de Chartres. C'est logiquement ce qu'on devrait voir dans quelques instants pour l'après-match de cette rencontre en retard de la 3e journée du championnat de Lidl Star League. Alors évidemment, on attend une explosion de joie aussi hein, des supporters dans les commentaires, les supporters de Créteil qui sont forcément ravis de voir leur équipe s'imposer. Il n'y a rien à dire hein, clairement sur la rencontre. Victoire totalement méritée pour Créteil. Malgré un bon début de rencontre de Chartres qui petit à petit s'est laissé absorber par l'envie cristolienne. On peut parler d'une grosse, grosse envie hein, collective de bien faire, de prouver que cette place de lanterne rouge n'est pas forcément méritée. En tout cas, c'est pas la place qui leur tend les bras à la fin de la saison. Et ils veulent le montrer aux amoureux du handball. Alors, est-ce qu'il y aura un 32e but ce soir pour Créteil avec bras levés des arbitres ? Ce sera pour Johan Giblin !
Quatrième but ce soir pour l'arrière gauche formé à Créteil. Né ici, au club depuis ses 13 ans. En tout cas, ce sont vraiment les joueurs du club qui ont brillé ce soir. On peut parler de Johan Giblin, on peut parler de Boyba Sissoko, mais pas que. On peut saluer aussi la belle performance de Karvalek, de Robin Molinier, qui ont emmené cette équipe de Créteil jusqu'à la victoire. Ouais, c'est terminé, 32-24, score final ici au Palais des Sports de Créteil. La victoire enfin de Créteil qui s'impose après 12 défaites consécutives. Ils renouent avec la victoire, ça va leur faire du bien au moral. Et pour les Chartrains, c'était une soirée compliquée certainement à oublier. Pas beaucoup de réussite. Et vraiment, on parlait d'envie, mais c'est vrai que cette envie cristolienne les a mangés. Et Créteil, qui grâce à cette belle performance, va quitter sa place de lanterne rouge pour la laisser à Tremblay, qui va se retrouver 16e. Créteil donc grimpe d'une place et a encore pas mal de choses à espérer dans ce championnat du Lidl Star League. Ils peuvent largement s'en sortir et ils l'ont prouvé ce soir avec un match abouti de bout en bout. Il n'y a pas grand chose à dire, je pense que même les supporters chartrains sont d'accord avec moi, la victoire de Créteil est méritée. Nous en tout cas aux commentaires on est neutre, mais vraiment voilà, il y a eu une belle opposition qui a bien tourné en faveur des Béliers qui donc s'impose 32-24 ici à domicile. Dans quelques instants les réactions d'après-match ici sur LNH TV. Avec un Chartrain, un Cristolien évidemment. On va entendre les mots des vainqueurs. Créteil qui se déplacera à Istres, je vous le rappelle, ce samedi, 18h sur LNH TV, match gratuit hein, à suivre ici, évidemment. Et aussi un déplacement à Istres pour Chartres, ce sera le 30 mars, trois jours après Créteil. Istres-Chartres le 30 mars sur LNH TV, aussi match en retard de la 7e journée de Lidl Star League. Alors le panneau pour les réactions d'après-match a été installé, on va tranquillement voir qui s'installe à notre micro. Ah bah ce sera Sergueï Kudinov pour Chartres déjà, sa réaction. La réaction d'un Chartrain battu ce soir à Créteil. On est avec Sergueï Kudinov du C Chartres Métropole Handball. Sergueï, qu'est-ce qu'il a manqué ce soir à votre équipe face à une équipe de Créteil qui a gagné ce soir? Voilà, on va. On est manqué tout. On a manqué la force, on a manqué le mental, on a perdu dans toutes les questions. Et pas beaucoup de mots à dire. Il faut concentrer sur le prochain match. Et je suis désolé d'avoir qui regardait un match comme ça, de notre supporter. Donc c'est tout. On vous sent déçu, c'est normal. Peut-être que ça a manqué un peu de fraîcheur aussi à un moment pour. Voilà, pour peut-être avoir un second souffle en deuxième période avec ce match à Istres qui date de 72 heures. Ouais, peut-être, on n'a pas d'habitude de jouer chaque trois jours, mais c'est pas une excuse. Il faut jouer même si on joue chaque jour. Donc. Ok, il va falloir repartir à l'entraînement. C'est, mine de rien, la saison reste encore longue. Ouais, ça c'est sûr. On a encore beaucoup de matchs, on a un rythme jusqu'à fin d'avril chaud, donc il faut concentrer sur les prochains matchs. Merci. Voilà la froideur, hein, la déception évidemment pour l'arrière-gauche russe de Chartres, Sergueï Kudinov. Un mot d'un vainqueur maintenant, Robin Molinier à notre micro qui vient d'arriver. C'est la soirée parfaite. Ouais, voilà, c'est sûr qu'il y a du grand sourire. Ça fait, on était, je crois, sur 12 défaites. Donc,
retrouver la victoire contre Chartres chez nous avec un écart comme ça, on en redemande des soirées comme ça. Donc, et bien sûr, à titre personnel, ça me fait encore plus plaisir de gagner contre mon ancien club. Donc, soirée parfaite. Et maintenant, pourvu que ça dure, c'est ça le plus important. Alors, Créteil avait montré de belles choses face au gros du championnat ces derniers matchs. Là, il y a un peu tous ces ingrédients que vous avez su montrer aussi face à un concurrent direct. Et en plus, il y a les points derrière. Ouais, mais après, être bon contre les gros, mais jamais aller au bout des matchs et jamais gagner, c'est le plus facile. Le plus dur, c'était de concrétiser, de prendre des points contre un concurrent, même s'ils sont un peu au-dessus de nous, c'est nos concurrents. Donc, c'était un vrai challenge qu'on avait à relever ce soir. Et rien que sur l'état d'esprit, sur l'envie, je pense que c'est là-dessus aussi qu'on a fait la différence. Et après, c'est sûr qu'ils ont joué il y a 3 jours, ça se voyait qu'ils étaient aussi un peu dans le dur physiquement, mais ouais, je sais plus quoi dire, mais je suis trop content. Dernière question, alors, du coup, il y a Istres samedi. À quel moment vous switchez sur Istres et à quel moment tu arrêtes d'être content de cette victoire? Je sais pas s'il faut switcher, il faut s'en servir là, de ce qu'on a fait là, de l'état d'esprit qu'on a mis. Ça, faut pas switcher, faut le garder et aller à Istres avec la même chose. Et si on l'a fait ici contre Chartres, on est bien, évidemment qu'on est capable de gagner là-bas. Donc, oui, à partir de demain, se dire allez, on prépare Istres, mais il faut garder tout ce qu'on a fait de positif parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses positives ce soir. Merci Robin. Voilà, il l'a dit, Robin Molinier, l'heureux joueur de Créteil ce soir. Il va falloir faire une série pour les Cristoliens qui, en tout cas, quittent la place de lanterne rouge de cette saison 2020-2021 de Lidl Star League. En tout cas, qui revient à Tremblay désormais après cette victoire face à Chartres 32-24. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne soirée. Je n'oublie pas aussi le message de LS sur YouTube. Est-ce que je peux faire une dédicace à Mathias Chaplon? Il y a 10 ans. Mais oui, salut Mathias, merci à toi de suivre le handball. Merci d'être sur LNH TV. On se retrouve donc pour Istres-Créteil le 27 mars, 18h ici même. Istres-Chartres le 30 mars aussi, également pour le match en retard de la 7e journée. Et puis moi, samedi, ce sera le derby entre Rennes et Nantes sur LNH TV. Je vous souhaite à toutes et à tous une très très bonne soirée et à très bientôt. Salut! Cœur du handball français avec Lidl.